que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'avais envie de vous parler de la compagnie Lush. Je suis certaine que vous connaissez déjà ça. C'est une compagnie de produits pour le bain. Ils vendent des bath bombs, ils vendent des produits pour le corps, pour les cheveux. Ils vendent toutes sortes de soins. Puis, ce qui différencie Lush des autres compagnies, c'est vraiment le fait que c'est une compagnie qui a des odeurs incroyables. Je vous jure. Dernièrement, j'ai commencé à comme vraiment utiliser leurs produits quotidiennement. Puis, je suis tombée en amour. Puis, j'avais envie de faire une petite vidéo. Ça ne devrait pas être une vidéo très très longue parce que j'ai pas énormément de produits Lush. Mais j'avais quand même envie de vous présenter mes favoris Lush du moment. C'est comme un mini haul de mes produits à moi, de la compagnie que j'utilise au quotidien, que j'aime vraiment beaucoup. Si vous voulez découvrir la compagnie, vous n'avez pas trop par où commencer, quoi acheter parce qu'il y a tellement de produits puis il y a tellement de choses qu'on aimerait acheter, ben ça c'est les produits que moi je vous recommande selon mes goûts puis selon ce que moi j'ai essayé. Donc c'est parti! Alors, si vous connaissez la compagnie un tout petit peu, vous savez qu'ils vendent des bath bombs. Si vous savez pas c'est quoi un bath bomb, c'est une bombe pour le bain, en français je pense qu'on appellerait. C'est que c'est quelque chose qu'on va mettre dans le bain qui va donner une couleur à l'eau. Vraiment cute pour les photos Instagram. Souvent les bath bombs, ils ont des odeurs, puis il y a des odeurs qui peuvent avoir des bénéfices sur nous. Donc il y a des odeurs qui vont te relaxer, te détendre. Donc c'est ça, là j'arrête pas de parler, mais je vais vous présenter deux bath bombs que moi j'ai présentement ici, mais il y en a encore une fois vraiment tout plein. J'ai celle-là ici, qui est rose et un genre de blanc, un genre de rose pâle avec un rose plus fuchsia. Celle-là, je l'aime vraiment. Je sais pas comment décrire l'odeur malheureusement, mais c'est une odeur, je pense, qui est vraiment bonne pour le stress. En fait, c'est une odeur qui détend et qui te relaxe, qui aide au sommeil. Donc quand tu prends un bain par exemple avant d'aller dormir, tu peux mettre cette bath bomb-là dans le bain. Ça t'apaise, je vous jure, là, faut vraiment que vous essayiez. Puis parfois aussi, ça rend la peau vraiment plus douce. Ton corps sent ce que la bath bomb sent. Incroyable. Donc celle-là, mon bath bomb préféré que j'ai, c'est celle-là. C'est une pêche. Elle sent tellement bonne. Oups, j'ai eu plein de miettes. Elle sent vraiment la pêche, mais comme une odeur vraiment forte. Là. Regardez comme elle est grosse comparée genre à ma tête. Ma main. Donc ça c'est pour les bath bombs. Ensuite, je voulais vous présenter un shower jelly. Une gelée de douche. J'imagine. Et celle-là, c'est dans la. C'était dans le paquet cadeau, justement. C'était le paquet cadeau de. Des odeurs Twilight, Capel. Vous allez voir, c'est vraiment spécial. Je vais vous montrer un close-up. Dans le fond, c'est vraiment comme une petite gelée. C'est littéralement ça. C'est comme une genre de slime. Une petite glue que tu te passes sur ton corps complet quand tu prends ta douche. Puis dans le fond, ça joue le même rôle qu'un savon pour le corps, un gel douche. Mais c'est en forme de gelée, puis ça sent tellement bon, je vous jure, moi, c'est ce que je préfère des produits Lush, c'est vraiment leur odeur. Ça a vraiment une structure qui se tient, t'sais, on n'a pas l'impression qu'elle va toute se briser quand on le passe sur notre corps, fait que c'est vraiment cool pour ça. Ensuite, ils font aussi des gels douches, donc moi, un de mes gels douches préférés, c'est celui-là ici, c'est le Rose Jam. Ça sent un peu genre, mais ça sent vraiment l'odeur de rose en fait. Ça sent l'odeur d'une rose. Mais des fois, j'ai l'impression que ça sent comme la sangria. C'est peut-être un peu bizarre de dire ça. Mais on dirait que c'est rouge dans ma tête, ça sent l'odeur d'une sangria. Donc, ce petit produit-là, c'est vraiment juste un gel douche. Donc, tu t'en mets dans ta main, tu te le mets sur ton corps. Puis, encore une fois, c'est l'odeur que j'aime beaucoup. Puis, vous voyez là, ici, ils me disent utilisez-le avec le Revitalisant Corporel Rose Argan pour une peau des plus douces. Donc parfois ils vont comme conseiller de le prendre avec un autre produit, c'est vraiment vraiment cool. Donc celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Ce produit-là, je trouve que c'est un produit vraiment différent, c'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à voir. Ils appellent ça la Dusting Powder. C'est une petite poudre que tu mets sur ta main, puis tu la mets sur ton corps. Puis ça dit que « Leave skin soft, smooth and sexy ». Je sais pas à quel point ça rend ta peau sexy, mais dans le sens que ça rend ta peau vraiment douce. Ça fait un peu l'effet d'une poudre pour bébé, je dirais. Je sais pas comment décrire l'odeur encore une fois, mais ça sent vraiment bon. Fait que ça, je trouvais ça vraiment cool, tu sais. Puis je pensais même pas que ça se vendait vraiment des genres de poudre pour bébé, mais pour adultes. Fait que chez Lush, ils font ça. Là, tu vois, celui-là, c'est vraiment écrit give your bedding a light dusting for cozy floral snuggles. Fait que d'après moi, c'est comme pour mettre donc après ton bain. T'sais, c'est vraiment des produits comme de bain, de salle de bain, de comme self-care. Self-care, je dirais. Ça, c'est bon. C'est un bon terme pour décrire leur gamme de produits, je pense. Un produit que j'ai découvert dernièrement et que je suis en amour, c'est leur lotion pour le corps. Celle-là, c'est l'odeur Sleepy. Je pense que c'est mon odeur préférée. J'adore cette odeur-là. Genre, ça sent le Lush. Je sais pas. Ça, pour moi, si j'avais à décrire l'odeur du Lush, ça sent ça. Puis, c'est fou l'effet que ça fait sur ma peau. Comme, ça rend ma peau
soyeuse, douce et toute luisante, genre. Comme, je sais pas si vous, vous aimez ça, mais moi j'aime ça l'effet comme clean. Moi j'ai vraiment la peau sec dans la vie. Ça, ça rend vraiment la peau comme toute luisante, toute douce. Tu te sens clean, genre. Tu te sens toute propre, toute comme... Ah, j'ai fait ma skincare. Genre, souvent, je fais ma skincare, puis j'applique ça à la fin, puis wow. En fait, je sais pas si c'est vraiment recommandé de mettre ça sur le visage, là, parce que c'est une body lotion. Sur le corps, par contre, c'est vraiment une bonne option. Alors, mon produit préféré chez Lush, mon coup de cœur, celui-là, c'est vraiment mon favori des favoris. C'est le Ocean Salt Face and Body Scrub. Ça faisait vraiment longtemps que je le voulais. Oh, c'est vraiment incroyable. Ça, ça s'appelle Ocean Salt, et ça sent vraiment ça. Ça sent vraiment comme l'odeur de l'océan, mais comme... C'est vraiment des odeurs fortes. Puis c'est un exfoliant. Donc, puis après, c'est les bleus. Alors, si vous savez à quel point j'aime le bleu. Derrière. Ça sent tellement bon. Puis, ça, encore une fois, souvent je le mixe avec la lotion pour le corps. Souvent, je vais comme faire l'exfoliant. Je vais enlever toutes les peaux, comme les peaux mortes de ma peau. Faire vraiment un reset à ma peau. Puis ensuite, je vais mettre la lotion pour le corps dessus. Et le feeling est incroyable, je vous jure, comme ces produits, c'est des petits bijoux. Donc voilà, c'était tout pour mes favoris de chez Lush. N'oubliez pas de m'écrire en commentaire c'était lequel votre produit préféré, celui qui vous intéresse le plus à acheter. Laissez des thumbs up si vous avez aimé la vidéo, puis abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour faire partie de la famille. Et on se revoit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!